Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur God of War. Et nous en sommes à l'épisode 15. Atreus, tire dessus plus vite que cela. C'est parti. C'est une main de géant. Regardez, on voit bien l'ongle bien dégueu. Zut, on dirait que ça a rien fait du tout. Et ça c'est la bague. Et je pense qu'il va falloir retirer donc ce joyau. Mais alors pour quelle raison? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce qui se passe? Mon frère, on dirait que ce cristal a retrouvé sa force. Qu'est-ce qui se passe? Ok. On réessaye. Ok, c'est bien ce que je pensais. Fallait le faire deux fois et ensuite... Ah non, d'accord. Si tu... Ok, très bien. Excusez-moi les gars, j'ai été un petit peu naïf, hein, si je puis me permettre l'expression. On y va. Atreus, éclate-moi ça. C'est bien Atreus, je suis fier de toi. Oh, bien joué. Merci. Bonne idée. Allez, toujours cette tête, je me disais, mais c'est bizarre. Quelqu'un qui parle. Mais oui, mais bien sûr. C'est la tête que j'ai sur ma fesse droite, hein, finalement, hein, quand on y pense. Bon, on a réussi à récupérer un coffre, ça c'est plutôt cool. Maintenant, on met l'anneau de l'autre côté. Est-ce que vous croyez que le géant va se réveiller? Ce serait énorme. Allez, on va pouvoir pénétrer pour récupérer, je le rappelle, le burin qu'on attend de ce pas. Attends, c'est une blague? Oh, Tamur était un géant de glace. Quand il est mort, son dernier souffle a tout gelé. Ok, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Oh, encore une porte! C'est bien de tous les découvrir. Elle est fermée par un saut magique. Il est chiant. Hein. Il se la raconte à chaque fois. Ah, par contre, ça m'a pas fait une nouvelle découverte. Ça, c'est bien triste, n'est-ce pas? Hop, on a quelque chose ici. Je prends volontiers. Qu'est-ce que c'est? Je prends un artefact. De l'argent? De l'argent! Ok, ici, on a une sorte de tapis, n'est-ce pas? Et on peut... Alors, qu'est-ce que ça peut être? Où faut-il aller? Ici, tout simplement, aucun souci. Bon, j'espère qu'on va l'avoir, ce burin, dans cet épisode, quand même. Il faut pas abuser. Hop, on n'est jamais trop prudent, vous le savez. Voilà, on sait jamais. Je vais me casser la gueule avec ces conneries. Ok, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et il n'y a plus qu'à monter. Attends, on peut aller là-haut. On peut aussi aller là-haut. On va aller là-haut récupérer le coffre, d'accord? Sait-on jamais? Peut-être quelque chose de très intéressant dedans. Ah, faut que je retire le cerf dégueulasse. Yes, je préfère le loup. Ok, épaulière, ça c'est cool. Moins 10 et plus 9, plus 24 en runes. Et 9 en défense et moins 10 en force. Je peux peut-être compenser la force que je vais perdre par la défense. Ça me paraît pas mal. Et peut-être même équilibré, si je puis me permettre l'expression... de nos salutations distinguées, évidemment. On va prendre ça et on va utiliser l'emplacement pour... Ouais, plus 3, ça me paraît très bien. Allez, on est bon, les gars. On s'est trouvé un nouveau stuff et je devais changer vite fait pendant qu'on y pense l'attaque de mon fils parce qu'elle est terrible, hein, les gars. Dégueulasse, hein, vraiment. Hein. Maintenir. Je peux l'améliorer. Je peux l'améliorer et c'est... Et c'est fait. Désolé, j'ai craqué, les gars. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Ça m'a coûté une blinde, mais là, le loup, je peux vous dire qu'il va tabasser. Je me demande si on peut trouver des runes rares pour l'arc d'Atreus. Oh, c'est beau. Le voilà. Trouve la pointe de ce burin. Il nous faut sa magie. Ok. Donc, la pointe est censée être au sommet. Je pense, je m'y connais bien en burin. Récupérer un morceau du burin. Est-ce qu'on y va? Ok. Je t'ai vu, mon coco. Pardon, je suis pas prêt. Ok. Allez, c'est parti, mon pote. Oh, ça, ça dégage. Oh là là, on lui dit ce qu'il mérite. Il mérite. Il mérite totalement. Allez. Bye bye. Bam. Bam. Qu'est-ce qu'il y a? Mets un like dans cette vidéo. Un like. Un like. Like. Aïe! Oh, il a failli me chiquer! Il a pas voulu liker la vidéo! Aïe! Oh là là, mais ce double coup, hein! Fatal évidemment aux joueurs français! Ok. C'est pas mal. Et ça, c'est pas mal aussi. Ok, vas-y, mon fils. Ok, c'est pas mal. Ok, et ça dégage! Like! Like, 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 like. Pouce bleu, pouce bleu. Expérience sociale. Allez, ah, ah. Je crois que tu l'as eu. Un cristal lumineux d'alpha, tu me demandes à quoi il sert.
Ah, c'est dégueulasse. Vous avez vu ce que j'ai vu? Ah! Ah, j'ai encore des frissons tout partout. Ah! Ah non, c'était infâme, les mecs. Il lui a ouvert la mâchoire. Ah! Et ça suffit. Ah, tout le monde... Oh, c'est terrible. C'est terrible et c'est dégueulasse. On adore. Ah non, j'ai trouvé ça vraiment infâme sur le coup. Hein. Je vais pas faire américain. Oh, il y a un mec qui est congelé, miskin. Il est mort. C'est terminé pour lui. On va ramasser ça sur la luge. Il a pas pu arriver jusqu'au bout, malheureusement. Et ça, c'est beau. Aïe, 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 aïe. Oh non, 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 non. Eh, ça va vite quand ça nous... Hein. Oh, cette protection, mes amis. Plus 7, plus 6, plus 14. Je prends. Je prends, ça dégage. Je veux pas vous entendre. Hein. Allez, hop, ça c'est fait. Oh, regardez. J'ai des épaules de serpent, littéralement. Hop, il est bien mort. Il est bien mort, Atreus. Ok, on a quelque chose ici? Non, pas du tout, c'est de là où on vient. Bon, on va pouvoir aller au sommet. Oh, oh. Ok. Ok. Attendez, 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 attendez. On a un coffre, ça faut le prendre, les mecs, hein. Hors de question que l'on passe à ta côté, hein, si je peux me permettre. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, ça c'est fait. Très bien. Bon, les gars, on va à la chasse. Là, il nous faut ces coffres. C'est vraiment le plus important. Je ne vis que par cela. Ici, on a quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette... Ah, yes. Oh, les salauds. Oh, les salauds! Mais arrête! Je suis nul! Lila. Dis-moi ça, toi. Tu vas m'énerver. Par ces dons de la mer, nous rendons grâce à Njord. Ah oui. On raconte que Njord aurait calmé les vents et les eaux en faveur des pêcheurs. Depuis lors, il l'adore et le vénère ici. Ok, j'ai réussi, je crois. Yes, j'ai réussi. Je suis une machine. Écoute, fils. Ok, fils. Fils, sache que nous avons fait quelque chose d'inutile. Mais la France nous salue. Ok, bon. Plus que le troisième. Et le troisième, où peut-il bien être? Sûrement à l'autre bout. C'est comme ça que je vois les choses. D'accord. Ah. N'en dis pas plus. Aïe! Ok. 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 Allez, ça dégage! Je ne peux pas le toucher, c'est terrible! Ok, ça sert à rien, j'espère que ça vous a plu, salut tout le monde! Oh non, je suis désolé, tu triches, mec! Ok? Okay. C'est une blague, le cauchemar, j'ai pas le temps. Et encore un autre. Okay. Arrête, je me prends des claques glaciales. Ok. Oh, c'est pas vrai, hein. Ok. On va y arriver, les gars. Restons calmes. Ok. Oh là là. Continue comme ça. Ok. Allez. Ça dégage. Bam. Like, like, like. J'aime. Expérience sociale. Ok, plus que rien.
ouvre ça, ouvre-toi. Sésame. Tiens, prends ça. Merci, fils. Oh, c'était terrible. On va utiliser le sort. C'était terrible, les gars. C'était terrible. J'étais pas obligé de le provoquer. Je pense pas que j'étais obligé de le provoquer, mais grâce à cela, on a un cœur d'ancien et ça, c'est cool. Je ramasse. Je ramasse. Boum. Ah, ça, ça peut être cool. Objet rare enchantement augmente de 20% la résistance aux dégâts de givre. Effet cumulable. Jusqu'à 60%. Quand même. C'est pas n'importe quoi, les mecs. Hein. C'est pas n'importe quoi. On verra plus tard. Il me reste un putain de symbole. J'étais peut-être pas obligé de le provoquer. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais on l'a fait. Ça tombe bien. Non, ça tombe pas bien, non. Voilà le socle du cristal qu'on a vu. Mais comment faire pour qu'il descende? Ah, yes, il est là. Le dernier est juste ici. C'est bon? Je me souviens plus du symbole, mais je crois qu'on est bon. Hein. Yes, on est totalement bon. Oh là là, on est des machines, les mecs. GG, ça fait plaisir, hein, putain. Attendez, quoi? C'est même pas un... C'est juste un... Aïe! Je pensais que c'était un coffre avec une pomme ou autre. Oh, le coup dur du joueur franco-taille. Par contre, c'est pas mal. Objet légendaire. Augmente de 6% les dégâts infligés par tous les lancers de hache. Effet cumulable jusqu'à 18%. Quand même, un objet légendaire, c'est beaucoup d'argent. Mais une petite part de déception, quand même. Une petite part de déception, les gars. On a perdu pas mal de temps sur ce petit truc. C'est pas grave. On est là pour s'amuser. On est là pour découvrir. On est là pour avoir notre dose de God of War, évidemment. J'espère que vous l'avez. Ça, on prend. On embarque, sait-on jamais. Ah, j'ai vu quelque chose. Si rien ne m'échappe. Allez. Hop, on le reprend. Et on se cassos. Ça, j'ai pris. Aucun souci là-dessus. Ici, ok, il nous faudra une pierre. Ah. Attendez. Hop, voilà. J'ai pas mal d'argent. Hein. On va pouvoir s'améliorer d'un coup, ça va être cool. Hein. Oh, les anciens, ils sont terribles. Oh! Ok, on est mort. C'est beau ça! C'est beau ça! Ok, on va soulever ça déjà. Attends. On va mettre ça ici. Voilà, on sait jamais, hein, les gars, je le garde toujours sur moi. Et on va soulever ceci. Peut-être qu'on en aura encore besoin. Ça fait une petite. Pas du tout, on en aura pas du tout besoin. Très bien. Il est mort, il est bien mort. Hein. Il a un truc dans la tête, frère. Tête de Tamu. Hein. Comment on descend? J'ai un plan. C'est vrai? N'aie pas l'air si surpris. Mon frère, je doute que même Thor, armé de Mjolnir, puisse traverser cette épaisseur de glace. Alors Thor est un idiot. Voilà qui promet du spectacle. Aïe, aïe, aïe! Je suis prêt. Ok. Allez, ça dégage! Ouais, mais les gars, je suis pas... Je suis pas... Aïe! Ça, c'est beau, ça. Ça, ça dégage. Hein. Désolé, mais toi, t'es nul à chier. Tu nous fais perdre énormément de temps. Il est quand même assez stop. Non, ouais. Oh, la vache. Attends, j'avais le bouclier, mec. Hop. Je l'ai pas vu. Ok. Ça, c'est fait. Petite esquive, on est bien. On travaille les esquives, les gars. Non, attends, reste pas sur son dos, c'est pas une bonne idée avec ce que je vais lui mettre. Calme-toi, calme-toi, tiens là ce qu'il dit. Allez, ça dégage. Clac dans le visage. C'est terminé pour lui. Bon, on est pas mal. On est pas mal. Ah, ça c'est une sombrerie encore. Ok. Par derrière. Ok. Aïe. Aïe. Quoi?
Ok. Ça va être terrible. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais ça va être terrible. Ok, on va monter dessus. On va s'en servir pour se battre. On va se mettre des patates. Allez, mets l'idée. Mets ce qui mérite à celui-ci. Hop, lui, on va le terminer. Oh la vache! Ok, ça c'est beau ça les gars. Ah oh, c'est compliqué, je suis désolé, j'ai retenu mon souffle. Parce que c'était tellement énorme tout ce qu'on fait là. Allez, on va lui mettre une hit. On met quelques petites patates comme ça, tu vois, sur le haut du front. Hop. Allez. Allez, c'est une ouverture de bouche. Waouh. Un rude combat. Ok. Il s'est passé beaucoup de choses. Ok, on va ramasser ceci. Ouais, bon, là, vous avez compris que ça nécessitait entière concentration. On ramasse tellement de trucs. Oh là là. C'est beau, mais vous venez d'où comme ça, là? Petit truc de pierre, dégueulasse. Parlez à Sindri. Allez, on va lui parler, le frérot. Il va pouvoir nous dire pour le burin. Peut-être même qu'il va améliorer la hache, qui sait. J'ai récupéré suffisamment de trucs cool. Sindri, c'est le moment de tout me dire, frérot. Je suis pas bien. Impressionnant, ce... combat. Tiens, attrape. Oh, c'est ce qui s'appelle gâcher une pomme qui était parfaite. Par où es-tu passé? Il n'y a nulle part où se cacher ici. Ah, ça... C'est un petit tour que mon peuple maîtrise. Une façon de ne pas être vu. Tu peux devenir invisible? En fait, je peux entrer dans le monde qui se trouve entre les royaumes. Et comme ton esprit ne peut comprendre ce qu'il voit, il ne voit rien du tout. C'est comme ça que nous évitons d'avoir à utiliser les armes que nous créons. Mais ça ne marche pas sur les dragons, apparemment. Ton frère se demandait si tu mangeais suffisamment. J'imagine que je peux lui dire que oui. Brock a demandé comment j'allais. Est-ce que son haleine sentait les droits? Tu l'as laissé toucher à ta hache. Allons voir ça. C'est pour ça que Brock était dans le temple juste après la baisse du niveau de l'eau. Il est passé entre les royaumes. Allez, silence maintenant. J'ai besoin du silence complet. Et voilà. Là, sur le coup, j'ai pas vu trouver un accès au marteau. J'ai pas bien vu ce que ça change sur la hache. Si, peut-être des inscriptions plus complètes, je sais pas trop. On va voir si on peut pas acheter 2-3 petits trucs sympas. Amélioration de l'arc serre. Oh là là. Fils, oui, je vais te régaler. Je vais te régaler de ouf. Bah vas-y, fils. Hein. On te met au max. Hein. Tu mérites totalement. Hein. Allez, l'amélioration c'est fait. Grâce à ça, on va pouvoir débloquer de nouvelles compétences pour le fils. Ça vaut pas le coup de modifier. On est très très bien. Arc serre. Modifié. Donc là, mon fils va être beaucoup plus efficace. Tu l'as deviné. Il ne doit pas s'agir de rester ici. Correct. Comment on va avancer? Je ne comprends pas. Tamur aimait vraiment les bijoux apparemment. Il en avait même dans sa barbe. Pour ma part, je trouve qu'il a de l'allure. Enfin, pour un cadavre couvert de neige. Oh, c'est beau ça! Mon atelier est juste là. Qu'il est lourd. C'est beau ça. Ok, on va passer. Bon, là ça sert à rien. Par contre, là on a un artefact. Je ramasse de ce pas. Et là on ne peut pas tomber. Très bien. Donc la seule solution était par ici. Est-ce que je peux pas lui vendre des trucs cool quand même? On verra. On verra ce qu'on a à vendre plus tard, les gars. Je suis pas fan, j'ai peur de faire une bêtise. Et de vendre des choses inappropriées. Ça sert plus à rien, j'ai essayé, c'était pour le.
le plaisir. Sa barbe est encore soyeuse, si je puis me permettre. Est-ce qu'on va entrer dans ce bâtiment? Oui. Tu crois qu'on y trouvera ce qui nous aidera à briser la glace et à attendre la pointe du burin? Non. Je continue à chercher. Je sais ce qu'il veut faire. Il veut monter sur le burin, taper un grand coup dedans pour que le gros marteau gigantesque casse la glace. Et je pense que c'est la meilleure des solutions. Moi, si j'étais Kratos, je l'aurais fait. Prépare-toi. Qu'est-ce que c'est? On a l'impression d'enchaîner le boss comme ça. Oh, Jésus. Oh la vache, ça faut l'esquiver. Ok. Ça va être compliqué cette histoire, esquive! Oh la vache! J'ai pas pu esquiver son... le coup circulaire, je vous avoue que j'étais clairement pas prêt. Sacrée boucherie. Mais non! Pourquoi tu... Oh de Jésus, toi. C'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Je sais pas si je vais y arriver. Mais que Dieu me protège. Bam! Et protège l'Amérique, évidemment. Ok, donc ça sert à rien. Faut que j'attende qu'il fasse quelque chose. C'est terrible. Oh, c'est beau. Allez, oh, c'est beau. Allez, fils, j'ai besoin que tu tapes. Ok, c'est compliqué cette petite histoire. Je peux faire ça par contre. Et ça, c'est cool! Allez. Allez. Non! Oh là là! On se bouffe du joueur français! Mais je suis une machine! Oh putain! Les gars, si on doit en affronter deux des comme lui, ça risque d'être terrible, hein. Parce qu'avec leur coup circulaire, compliqué. Heureusement, le mode rage est présent, c'est moi qui vous le dis. Ça commence à devenir chaud, hein. Tu connaissais cet endroit? Avant? Oui, j'ai été envoyé ici en mission diplomatique. J'ai tenté d'amener Asgard et Vanaheim à négocier un accord de paix. Maudite guerre, tant de vies perdues. Ce que j'ignorais, c'est que Thor avait déjà entrepris d'exterminer les géants. Vous venez faire un lien entre les dieux? Absolument rien, petit. C'est là toute la tragédie de l'histoire. Ils n'ont jamais pris parti dans cette folie, mais la paranoïa d'Odin n'a d'égal que la soif de sang de Thor. On va faire ça comme ça, je pense que ça me paraît le... Stop, stop, non, 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 non. Qu'est-ce que tu nous fais? Ok, qu'est-ce qu'il nous a fait? Donc là, on peut monter normalement. Aucun souci. Alors, où je monte, je n'en ai fichtrement aucune idée. Mais le beau jeu est présent. Ok, et ensuite? Ah, c'est pas mal. Je prends volontiers. Je prends volontiers pour un coffre. Et pas un petit coffre en plus. Allez, grâce du givre. On va afficher ça. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Ah oui, d'accord, ça envoie des rayons laser, là. Ça envoie des trucs sales quand même. Mais c'est vrai que celui-là, je l'aime bien aussi. Non, je préfère celui-là. En vrai, flot de lame, plutôt propre. Mais bon, c'était à avoir. Et là, on a quelque chose encore là-haut. Je pense qu'il serait intéressant, si vous voulez mon avis, de reculer pour récupérer le trésor. Bon, il y a beaucoup de trésors à ramasser, les gars. Mais c'est bien aussi de prendre son temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mon Indo, les gars. Ok, ça, c'est pas mal. Et grâce à cela, normalement, boum, aucun souci. Et ben voilà, on est pas mal pour 1400. Ça vaut le coup, on va pas dire le contraire. Bon, on a fait les deux coffres de cette zone. On peut continuer jusqu'à au moins l'animation, parce que je sais ce qu'il veut faire. Je sais exactement ce qu'il veut faire. Enfin, en tout cas, je crois savoir ce qu'il veut faire. Ok, fils, c'est la merde. Hop, ça t'a plu, fils? On y retourne. C'était un prank, explication. Ok, je pense que le mieux, à mon avis, c'est de faire ça, c'est de faire ça,
c'est d'aller de l'autre côté. D'accord, jusqu'ici c'est vraiment Uncharted, vu qu'on a été quand même des monstres. Voilà. Et ben voilà, aucun problème. On se met ici et on se régale. Bon, comme je vous dis, le but, je suis quasi sûr, c'est faire tomber cette connerie là. Et maintenant notre cristal, t'as qu'un mot à dire. Ok. Bah je vais pas le dire parce que ça servira à rien. Y'a compris. Allez, ça c'est beau game. Oh, on y est presque. Prépare-toi, fils. Ok. Ah, forcément. Forcément. Eh bien, ce n'est pas un plan très discret. Maintenant, il faut libérer l'autre sangle. Vraiment? Ok. Faut libérer la fouine. Attendez. Attendez parce que... Ah, c'est stressant, ça. Yes. Un autre coffre ici. On se régale, hein, les gars. Clairement, c'est l'épisode de la régalade. Hein. On va essayer de libérer, on a le temps. Même si l'épisode dure un peu plus longtemps, je suis tellement content de retourner dessus. Dites-vous que cet épisode a peut-être failli ne jamais voir le jour. Et là, ça aurait été terrible à cause de la nouvelle mise à jour Windows. Réfléchis. Eh bien, la pointe du burin est sous d'épaisses couches de glace qu'on ne peut pas faire fondre. Exact. Et il n'y avait pas de cristal d'éclat à proximité sur lequel j'aurais pu tirer, donc c'était pas une option. Exact. Le seul moyen est donc de transpercer la glace, mais il faudrait pour ça un objet incroyablement lourd et... Oh, ça y est, j'ai compris. Bien. Ha ha. Ok. Oh la vache. Va être aussi vénère, hein, les gars. Ok, on va passer comment par ici. Comment va-t-on tourner le marteau pour qu'il atterrisse près de la pointe du burin? Impossible. On va le libérer, descendre avec lui et aviser sur le moment de ce qu'on peut faire. Donc ton plan comporte une bonne part de chance. N'hésite pas à en proposer un meilleur. Après, il a pas tort, il analyse bien. Mais il se pose trop de questions là où Kratos il s'en bat les couilles, frère. Ça passe, ça passe, ça passe pas. Ça passe pas, c'est compliqué. Et maintenant? Accroche-toi. Allez, hein. Ça va partir en couille très très vite. Hein. Là, c'est le dernier truc de la sangle. Enfin, c'est tellement bien fait, c'est incroyable. Par contre, ces épaules de serpent me stressent. Ce plan ne me dit rien qui va. Silence, tête. Saute. Ça n'a pas marché. Il n'est tombé qu'un petit peu. Eh ben, c'est pas grave. On va devoir tout arracher. Accéder à la tête du marteau. Bon, c'est pas terminé. On y va, on continue. Parce qu'on prend un véritable plaisir. Tiens, encore des coffres. Et là, il y a beaucoup d'argent. Ça me fait plaisir, hein, je dis pas non. Hein. Mais quand même. Oh là là. Ça, ça me plaît par contre. Ça, les mecs, ça me plaît. Oh, plus 7, plus 18, plus 6 contre moins 13 en récup. Ah, je suis désolé, c'est obligé. C'est... Les gars, c'est beaucoup trop de gains là. Beaucoup trop de gains. Plus de force, oh non, plus de défense. Le sol s'est effondré. Il y a une vasque de sable, mais comment on peut l'atteindre? On ne peut pas. Je peux l'atteindre. Là, regarde. Allez. Vas-y tout seul, fils. Tu me diras si c'était cool là-haut. Qu'est-ce qui est écrit? Quand le temps lui fait faux bond, le voyageur avance à reculons. À reculons? C'est à l'envers. Ces symboles, ce sont les saisons. Oui, mais tout est dans le désordre. Ça devrait pas être hiver, printemps, été, automne. Pourquoi commencer par l'hiver? Ça vient d'une chanson que mère me chantait. Oh, je la connais, celle-là. Hiver! Silence, tête. Hiver! Il n'aime pas la musique. Compris. Printemps, été. Normalement, on est bon. Écrit. Voilà. Var. Suma.
Host. Pardon? Ça n'a pas marché, mais je sais que c'est dans cet ordre que Merle chantait. Ah putain, c'est inversé, les salauds. Qu'est-ce que c'est? Hiver. Ok. D'accord, en fait j'ai juste inversé, très bien. Et ça c'est triste. Atreus. Aust. Thomas. Bot. Vetter. D'accord. C'était juste inversé. Atreus. Ce mot. Fola. Ça veut dire résiste. Essaie. Fola. Allez! Écris-le encore. Fola. On s'est là! L'énergie fait monter la plateforme! Continue. Fola. Tête, comment est-ce possible? À mon avis, magie temporelle. Une chose dangereuse avec laquelle les dieux Van aimaient jouer. La capacité de figer le temps. Une des spécialités de Njord, en fait. Aimaient? Ils le font plus? Eh bien, il se trouve que figer le temps arrête la course de la lune et du soleil dans le ciel, mais pas celle des loups qui les chassent dans l'espoir d'y planter leur croc. Alors, les dieux ont estimé qu'il était préférable de laisser le temps filer. Quoi? Ah merde! Oh là là, ce coup de génie! Ça dégage. Ça dégage aussi. Ça, ça dégage et ça. Ça dégage. Aïe, 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 aïe. Aucun souci. Ok. Allez, ça dégage. Reprends l'écriture avant que le sol s'effondre. C'est de la merde. Oh, vous le voyez, lui, là-haut, là ? C'est la merde. Ok. Faut qu'il reprenne l'écriture très rapide, faut que je m'en débarrasse vite, sinon on est mort. Ok. Je peux pas faire plus vite que ça. Là, ça dégage. Ça, ça dégage aussi. Je sais, je sais, je sais. C'est compliqué cette histoire. Allez. C'est bon. Allez, continue d'écrire, fils. Continue, bordel. Régale-moi. Lui, je le vois gros comme une maison, ça va être terrible. Hein. Voilà. Voilà. Ok. Aucun souci. Ça, ça dégage.
Aïe, 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 aïe. Ça, ça dégage. Ça aussi. Je commence à être énervé, j'en ai marre de toutes vos conneries. Voilà. Oh non. Ah, c'est la merde, hein. Aïe. Je suis mort. Voilà. Je suis mort. Non. C'est bon. Ça dégage. C'est bon, j'ai arrêté mon mode rage. Oh putain, c'était compliqué. J'ai tellement bien géré. Oh, j'ai tellement bien géré sans faire l'américain. J'ai arrêté le mode rage pile poil à temps. J'ai activé pile poil à temps. C'était tellement chaud. Go, fils. Saute. Allez, go, fils. C'est bon. On a eu chaud, mais on est au sommet. C'était pas évident, hein, cette quête. On a affronté bon nombre d'ennemis. Mais on va pouvoir ouvrir tout bon ça. Bon travail. Merci. Atreus. C'était seulement pour plaisanter, vieil ours et gris. Tête du marteau. Excellent. J'ai bien aimé cette petite vanne. Voilà, c'est vrai que c'est des vannes qu'on aime bien faire. Et bah voilà, on est pas mal. On est pas mal. À pouvoir aller ramasser tout cela. Bon, on y est. Comment on va faire pour la dégager? Poussez. Et confiance. Allez, go. Ouais. Cale-toi et pousse de toutes tes forces. D'accord. Ah, avec Atreus, il sait qu'Atreus a le pouvoir aussi. On descend. On saute. Vraiment? Viens. Ne panique pas. Pourquoi je paniquerais? Je te tiens. Tu es malade, tu le sais, ça? Tu vas bien. Tant mieux, on doit avancer. Eh bien, ça y est, on a réussi à le faire tomber. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire pour cet épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure sur God of War. Cet épisode était juste fou. Bisous tout le monde, à très vite. Ciao, ciao.